Le marronnier d'Inde, un allié contre les varices. Nous devons éviter de consommer des fleurs, de l'écorce ou des feuilles crues de marron d'Inde, car elles sont vénéneuses. Il est recommandé de consommer celles préparées en laboratoire. Depuis quelques années, le marronnier d'Inde est devenu l'un des meilleurs remèdes contre les varices. Il permet aussi de traiter le syndrome des jambes lourdes et fatiguées. Il faut savoir que le problème d'insuffisance veineuse chronique affecte un grand nombre de la population. C'est gênant, cela nous rend la vie quotidienne difficile et surtout, c'est inesthétique. Voilà pourquoi les varices ont toujours fait partie des affections les plus désagréables. Son traitement est vraiment complexe. Heureusement, il existe déjà beaucoup d'études qui prouvent l'efficacité du marronnier d'Inde. C'est un régulateur vasoconstricteur et un antihistamine. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on utilise les composants de ces graines pour traiter toutes les maladies associées aux varices. Les résultats obtenus sur les patients ont été très bons. Il faut savoir que les traitements ont été supervisés médicalement. Venez découvrir les conclusions de ces études. Qu'est-ce que le marronnier d'Inde? Le marronnier d'Inde est un arbre originaire d'Asie, mais on peut le trouver partout dans le monde. D'ailleurs, nous sommes habitués à le voir dans nos parcs, pour notre plus grand bonheur. Cependant, ce qui est très surprenant, c'est de voir les grandes propriétés médicinales que contient chacune de ces différentes parties. Ces feuilles sont ainsi très efficaces dans le traitement de l'eczéma. Il en va de même pour les douleurs menstruelles, ainsi que pour les gonflements des tissus mous causés par des fractures ou des entorses. Ces feuilles permettent même de soigner les douleurs dans les articulations. Son écorce est utilisée pour traiter le paludisme et la dysenterie. Des études sont actuellement en cours pour voir les effets de cette écorce sur les personnes touchées par le lupus et également les ulcères de la peau. Ces graines représentent l'élément le plus visé par les recherches. En effet, de nombreuses études ont été menées sur elles. Il existe des milliers de publications scientifiques qui soutiennent que l'eschine, leur principal composant, réduit grandement l'inflammation et donc la douleur dans les jambes. C'est donc un excellent médicament. Les graines favorisent la circulation sanguine et empêchent ainsi la rétention d'eau. D'ailleurs, la base de données européenne des médecines naturelles les considère comme efficaces. De son côté, le Collège des pharmaciens de Barcelone, Espagne, soutient ses propriétés vasoconstrictrices. Comment agit le marronnier d'Inde contre les varices? Parmi les composants retrouvés dans ces graines, le marronnier d'Inde contient des lésines. Elles favorisent la circulation normale du sang. Parfait pour lutter contre les varices. Mais ce n'est pas tout. Elle favorise aussi la perte de liquide par l'urine, ce qui permet d'éviter la formation de œdèmes. Dès lors que vous souffrez de gonflement des veines dans les jambes, une douleur qui nous est très familière, les graines seront alors parfaites pour vous. N'hésitez pas à en consommer lorsque vous ressentez une sensation de lourdeur dans les genoux, ou ces crampes qui nous font si mal parfois. L'action du marronnier d'Inde ne s'arrête pas là. Il améliore la résistance capillaire, supprime les œdèmes et réduit également l'inflammation. C'est parfait lorsque l'on souffre de ces typiques veines d'araignée sur les jambes, les varices, ou alors d'ulcères qui nous inquiètent souvent. D'ailleurs, diverses recherches ont lieu en ce moment pour voir si ces propriétés permettent de soulager les hémorroïdes. Comment consommer le marronnier d'Inde ?
On peut trouver le marronnier d'Inde en gélule dans des magasins bio ou chez des herboristes. Il s'agit d'un extrait des propres graines du marronnier. Elles se vendent souvent sous forme de comprimé, ou alors en crème, voire en pommade. La dose la plus appropriée est de 400 mg quotidiennement, ce qui équivaut à 2 gélules par jour. Il faut les prendre avant le petit déjeuner et avant le dîner. On arrivera ainsi à calmer les crampes musculaires. Consommer du marronnier d'Inde, attention. Nous devons vous avertir de quelque chose d'important, vous ne devez jamais consommer ses feuilles, ses fleurs ou son écorce crue. En effet, elles sont vénéneuses. Ce qu'il faut faire, c'est consommer des préparations médicinales qui se font en laboratoire. Les professionnels enlèvent tous les composants et synthétisent ceux qui nous apportent des bienfaits. Il faut aussi limiter la consommation des gélules du marronnier d'Inde chez les personnes suivantes, femmes enceintes, diabétiques car cela pourrait diminuer le sucre dans le sang, et patients souffrant de problèmes hépatiques. En effet, il existe un composant qui pourrait ne pas être bénéfique pour ce type de population. En conclusion, on peut dire que cet arbre d'origine asiatique, très commun dans notre vie, nous apporte énormément de bienfaits. Dans la sève de son écorce et dans les feuilles et les graines qui le composent, le marronnier d'Inde renferme un puissant allié rempli de qualités. Il nous aide notamment à améliorer la circulation sanguine, ce qui en fait un trésor naturel qui peut aider beaucoup de gens.